Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, tout comment ça va très très bien. Aujourd'hui on est là pour une petite vidéo glitch sur GTA 5 dans laquelle je vais vous montrer comment avoir n'importe quel véhicule du mode multi, du mode solo après la mise à jour 1.9 sur le mode en ligne. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous demande de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner avant de quitter cette vidéo. Donc ce que vous devez faire, c'est que vous devez prendre une voiture, n'importe laquelle, vous devez prendre une voiture dans la rue et vous devez venir devant un Los Santos Costume. Et vous avez sur en ligne, option, et vous devez mettre votre point de réapparition sur dernière position. Et donc vous sortez de votre voiture et vous choisissez un personnage dont vous voulez que la voiture soit en ligne. Moi je vais prendre Michael comme exemple. Donc voilà, je vais prendre Michael comme exemple. Arrivé ici, vous devez vous mettre dans la voiture de Michael ou de Trevor ou de Franklin. Vous devez vous mettre dans sa voiture et vous devez aller sur Start et en ligne et vous devez commencer une nouvelle partie. Arrivé ici, vous prenez une voiture dans la rue, n'importe laquelle, et donc dès que vous avez pris cette voiture, vous devez vous aller dans le garage et vous partez sur Start. Donc arrivé au garage, vous appuyez sur Start et vous partez sur le PlayStation Store ou le Xbox Store, le Xbox Live Store. Et donc là, ça va être la partie un peu compliquée. Donc arrivé sur le menu du Xbox Live ou PS Store, vous débranchez votre câble Ethernet si vous avez un câble Ethernet et ou vous débranchez votre box. Et donc là, il va vous demander d'aller sur le mode solo. Et donc dans le mode solo, vous devez prendre la voiture du personnage principal et vous devez la mettre comme je l'ai mis. Voilà, vous devez mettre les deux roues devant dans le garage. Et donc là, ce que vous devez faire, c'est que vous devez rebrancher votre câble Ethernet et vous devez aller sur en ligne. Arrivé ici, vous commencez une nouvelle partie, donc invitation, enfin session sur invitation ou une partie avec les autres, mais moi je préfère session sur invitation, sinon les autres ils vont vouloir vous prendre la voiture, etc. etc. Donc moi je vous dis à la prochaine, bye les gens, bisous, peace out, et vous pouvez mettre cette voiture dans votre garage, hein, vous pouvez la customiser, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Cliquez sur j'aime pour vous abonner et moi je vous dis à la prochaine, bye les gens.